Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur Gaming Live pour la suite de ce pseudo let's play hein, de Donkey Kong Country Tropical Freeze. C'est pas vraiment un let's play puisque ça a été relativement bien saigné le jeu avant de le faire. On le continue puisqu'on avait déjà commencé, je ne sais plus, c'était hier ou avant hier, non dimanche c'était ça, c'était dimanche c'est vrai, moi ils me font streamer le dimanche moi, ou trimer le dimanche, moi je devrais dire. Alors j'espère que Alex Click vous a donné envie évidemment d'acheter Watch Dogs, ce jeu à 18 sur 20. Les vaut-il? Je ne sais pas. A vous de juger, bien entendu, c'est vous qui voyez. Peut-être, eh bien, vous a-t-il donné envie de tester, de jouer au jeu et de regarder un tout petit peu ce que le jeu vaut. Je ne sais pas, moi j'ai regardé vite fait un peu le live, mais je suis arrivé en stress, fallait que je fasse le setup de tout ça pour que tout soit prêt à l'heure. Est-ce que le son est bon déjà? Tout va bien? Il n'y a pas de souci majeur à signaler. Il est important puisqu'on va se retrouver pour 2 heures ici de ce let's play power fake de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Car vous voyez ces mains là. Ces mains ne répondent pas aux commandes envoyées par le cerveau tout le temps. Ce qui fait que je suis un très très mauvais runner. Et je ne pourrai jamais runner de toute ma vie. Que se passe-t-il? J'ai fait une bêtise ou pas? J'ai tout cassé. Allô? Tout est cassé. S'il vous plaît. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Mais pourquoi j'ai tout cassé? Tropical Freeze, s'il te plaît. Pourquoi tu me fais ça? Écran noir. Magnifique! Le jeu ne se lance pas. 2 sur 10. Eh, mais qu'est-ce qu'il a, le jeu? Mais t'es sérieux, la Wii U, là? T'es sérieux? S'il te plaît. Mais respecte les anciens. Alors attendez hein. On va essayer de faire un massage caracol. Reste avec moi la Wii U. Reste avec moi. S'il te plaît. Non. Ne meurs pas, non. No câbles détectés. Tout va bien. Je suis en pleine maîtrise de tout ce qui va se passer ici actuellement. Tout est en pleine maîtrise. Le jeu a craché. Bah, je pense que ça fait une heure qu'il tourne en boucle comme ça et que le jeu il a pas aimé. Hein, que je le fasse tourner en boucle pendant une heure. Oui, il n'y a pas le wifi, si je sais. Fous-moi la paix. Pire invention d'histoire, la mablette. Hein, sauf pour jouer dans les chiottes. Hop. Hop. Préparation de la mise à jour. Je n'ai pas la connexion. Foutez-moi la paix. Alors, Watch Dogs, bien ou bien? Bien ou pas bien? Oh, on va pas envoyer de la pub tout de suite. Y'a qu'à moi que ça arrive des trucs comme ça. Foutez-moi la paix. Non. J'ai dit non. Je refuse. Oui, je joue sans la mise à jour. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu n'aimes pas ça, hein, le jeu? Tu n'aimes pas qu'on joue sans les mises à jour, hein? Eh ben, moi, je joue sans les mises à jour. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Quand même pas me faire chier. Pas possible. Alors, est-ce qu'il va me refaire le même... Le même délire. Il va absolument que tu mettes les mises à jour. Non, croyez-moi, Donkey Kong Tropical Freeze, c'est très très bien. Je vous assure, c'est très 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 bien. Alors, il faut savoir que on a un petit problème car j'ai fait malencontreusement chuter la Wii U durant le setup. Hein. Elle est tombée d'assez haut. Ok. Ok. Nice. Ok. Onagashimasu. Donkey Kong. Voilà, parfait. Ça marche. Non, mais je ne sais pas. J'ai dû faire trop tourner le jeu dans le vent. Il a pas apprécié. Watch Dogs Gotti du marketing. Est-ce qu'il tourne réellement en 60 FPS? Ah, c'est quelque chose que j'aimerais bien savoir quand même. Parce que j'avais pas, ça avait pas l'air. Alors peut-être qu'il avait un réglage 30 FPS Alex Click. Il avait pas l'air de tourner très très rapidement. Alors peut-être qu'il y a plusieurs avis différents ici. Oui. Sinon, tu peux aussi me charger le jeu. Merci, c'est gentil. Tu vas pas commencer avec moi, hein. Je sais que je t'ai fait tomber. Et je le regrette, ma très chère Wii U. Tu sais à quel point je t'aime. Je prendrai soin de toi après. Ne t'en fais pas. Mais le matériel Nintendo, il n'y a pas grand-chose dans la carlingue. Mais par contre, c'est solide. Hein, vous êtes réputé pour ça.
Donc me fais pas un caca nerveux s'il te plaît. On en était là, j'avais trouvé toutes les sorties secrètes du dernier monde de la zone 3. Et je voudrais réellement vous montrer ce monde là, qui est un monde réellement très impressionnant, notamment en speedrun. Parce que c'est un monde où vous pouvez aller plus vite que l'apparition même du décor. Bon, pour ça faut réellement jouer cranky. Mais normalement on est bon. Setup full screen marche-t-il? Ah, impeccable. Impeccable. Allez mon coco. C'est vraiment un monde, voilà, vous voyez, où on peut aller très très vite. Ouais, ça, là, j'y vais complètement YOLO. Hein, vous voyez, YOLO stat, mais il faut quand même pas que j'oublie que ça. Mais sans cranky, c'est quand même difficile d'y aller réellement très YOLO. Parce que le problème sans cranky, c'est que on ne peut pas rebondir sur les plantes que vous voyez ici. Et du coup, on peut très rapidement se faire avoir. Magnifique! Non, ça c'est pas là où il y a la pièce. Seules les pièces Kong m'intéressent en fait dans le jeu. S'il vous plaît, respectez. Respectez les anciens. Ça ne respecte plus rien. La musique est tout simplement superbe dans ce stage là aussi. Oh, okay. Je veux tellement y aller YOLO que je prends des stages. Alors est-ce que je vous l'ai déjà fait? Oui, je vous l'ai déjà fait ce bonus stage, donc j'en ai rien à foutre. Je vais pas vous le montrer encore à chaque fois. Cranky s'est pété, hein. En plus dans ce stage là c'est encore plus fumé. Parce que Cranky peut rebondir dans des zones où les autres personnages ne peuvent pas rebondir. Et du coup, voilà, si je prends Cranky, bah, je peux rebondir sur lui. Voilà, et faire des trucs comme ça, vous avez vu. Je suis tellement dans la YOLO attitude. Non, s'il te plaît, fous-moi la paix. Fous-moi la paix, vache de merde. Et bah voilà, j'ai perdu mon vieux Cranky. Bon, maintenant je vais devoir faire attention parce que je suis pas infini sur les glissades. Je crois qu'il y a un truc ici. Alors ça, si vous réussissez à compléter le puzzle et attraper toutes les bananes, vous avez généralement des pièces de puzzle ou des trucs comme ça. Bon, nous les pièces de puzzle ne nous intéressent pas particulièrement. S'il vous plaît. Un peu de calme. Voilà, ça c'est parfait. C'est exactement le mouvement que je voulais faire. Voilà pourquoi c'est très désagréable de perdre les tonneaux dans ce jeu. Allez, s'il te plaît, fous-moi la paix. Voilà, impeccable. On reprend Cranky et là on est bien normalement. J'ai besoin de ça. Cranky, tout powerful. C'est pas grave si je le perds, j'ai plus la fin du monde de toute façon. Voilà, impeccable. Voilà. Non, ce Donkey Kong n'est pas trop difficile. N'est vraiment pas trop difficile. La difficulté est juste bien jaugée. Croyez-moi, hein, c'est, on peut perdre beaucoup de vie peut-être au début si on n'est pas réellement habitué aux jeux de plateforme. Mais la jouabilité est parfaite. Il y a même des subtilités dans la jouabilité qui rendent le jeu extrêmement riche. Et bien exploité, ce Donkey Kong est juste une merveille parce que tout le level design est réellement pensé pour le mode chrono. Et il y a réellement des moments où dans le jeu, vous pouvez accélérer tout le temps. Si vous réussissez les bonnes trajectoires de saut systématiques et que vous avez le bon assist, vous avez systématiquement la possibilité de foncer à travers le décor. C'est évidemment très difficile. Mais normalement, on est bien. À lui, il méritait un 18 sur 20, ça c'est sûr. Mais bon, une espèce de razzia sur la Wii U. On part du principe que la Wii U, c'est de la merde. J'ai jamais réellement compris pourquoi. Didi, c'est de la merde aussi, mais j'ai pas le choix. Oui, pourquoi? Explique-moi le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe. Ok, poulet, on s'en fout. Ça, ça tourne, c'est bien. S'il vous plaît. Où est la pièce Kong? Ah, elle est là. Parfait. 1, 2 et 3. Nickel. Je suis obligé d'attendre, c'est ça, ouais. Ça, c'est un peu chiant parce que ça ralentit pas mal les rythmes quand même. Essayer de faire ça comme ça. Impeccable. Non, elle a mort en poule.
Ah c'est vrai que je dois récupérer toutes les pièces, faut pas que je les rate quand même. Parce que si je vais trop vite sur le terrain, je vais avoir vite fait de tout rater. S'il te plaît, parle bien toi. Ouais, je vais attendre que le truc remonte. Câble. Je vais récupérer le haut. Bon là je pourrais y aller plus vite hein. Ça ne me sert à pas grand chose en fait. Ah par contre ça c'est utile. Même si je pourrais y aller un peu plus YOLO, c'est quelque chose qui est quand même assez utile. S'il vous plaît, monsieur. Bon allez, merde. Marre d'attendre. Non. Alors attendez. Parfait. Oh là 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 là, mais cette récupération top moumoute. C'est sur la chaîne Powerplay qu'il faut mettre tout ça. Les câbles. On a ça. Fous-moi la paix, toi. Je crois que là, je suis quasiment obligé. Si j'ai pas de... Ah ! Là, vous voyez, quand j'ai pas d'assist et quand j'ai pas de tonneau, c'est quasiment obligé de se vautrer dans ces endroits-là. C'est assez désagréable. Allez, saute avant qu'un malheur n'arrive. T'as un problème, toi ? Oh là là ! T'es pas contente. Non, s'il te plaît, fous-moi le camp. C'est vautrer la gueule tout seul. Non ! Ok, ça c'est typiquement le genre de monde que je ne connais pas par cœur. Et voilà ce qui arrive quand on ne connaît pas par cœur un monde. Fous-moi la paix, toi. Sale piaf sans plume. Voilà, tiens, dégage. C'est impeccable. Là, on n'a pas besoin d'attendre. Bon, par contre, c'est un peu plus chiant. Ah, 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 la glissade. Je vais mourir. Je le sais que je vais mourir. C'est pas la peine de faire le show. Joue pas le dingue, joue pas le dingue. Ok, nickel. On va prendre ça parce que visiblement c'est utile. Ah, nickel, nickel. Comment je fais pour récupérer ça? D'accord. Pas de panique! On se calme. Je l'ai. Et je l'ai. Juste pas rebondir sur lui. Ça c'est tellement le piège de rebondir sur cette espèce de truc là. Fous-moi la paix. Ah, je suis obligé d'aller sur le truc, d'accord. Ah ouais, une pièce cachée. On s'en fout, on fait juste les pièces Kong. S'il te plaît. Merci. Vra. Mais si, il faut aller vite dans la vie parce que je vais vous montrer le maximum de stages. C'est ça qui est important, c'est d'aller vite. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas ces stages-là. Ces stages-là, ils sont relativement faciles. Sont le jeu, comme je vous dis, comme il vous donne relativement beaucoup de vie, le jeu est relativement simple. J'espère que vous avez pas de lag, parce que là, j'ai monté le bitrate quand même assez haut pour que vous ayez un truc méga fluide de la mort. Afin que vous puissiez vous délecter de la beauté de ce jeu. C'est quand même incroyable. Après, c'est vrai qu'on pourrait streamer d'autres jeux, mais on n'a pas le droit. Voilà. On n'a jamais le droit. Le truc c'est les pingouins qui ont des casques vikings, ils sont pas très sympathiques, on peut pas trop rebondir dessus. Mais le boss est très sympa, ce stage là. J'aimerais bien un assist s'il vous plaît. Foutez-moi la paix. Oh là là. Ça c'est les pires assists qui existent. Ok, on va pas jouer le fou. Nickel. Câble. Ah, ah, ah. Oh, mais non. Pas ces stages là. Je m'en fous de la vie. Je m'en fous. Il y a énormément de points de sauvegarde aussi dans les stages. Généralement les points de sauvegarde ils sont relativement bien positionnés par rapport aux pièces Kong. Oh là faut que je fasse gaffe parce que si ça se trouve il y a une pièce Kong qui peut se situer quelque part par ici. D'accord, il n'y en a pas visiblement. Ça m'embêterait d'en rater une. Ça m'obligera à recommencer l'intégralité du stage. Et oh le lapin. On parle bien des mers s'il te plaît. Les câbles. Oui oui mais bien sûr. Je passe.
s'est passé? Ah, j'ai encore bourré comme un âne batté. Arrête de bourrer, Verdier. Hop. Fous-moi la paix. Tu sers à rien. Ok. C'est ça que je voulais faire. Hop. Parfait. 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 Ça, je l'ai aussi. Ça, ça fait toujours des pièces. Ah! Là, faut pas que je me rate. Nickel. Dung dung. Dung 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 dung. Ça, c'est un peu. Un peu facile, mais c'est surtout le G que j'ai raté! Non! Je rate le G égale suicide. En plus, je recommence d'ici, quoi, c'est l'angoisse. Oh là 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 là. Bon. Tout va bien se passer, calmez-vous. Où est-ce que je dois prendre le point d'appui pour la roulade? Point d'appui ici. Bon. Je vais attendre. J'ai pas les bons points d'appui, ça me casse les bonbons. Hop, 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 je l'ai, je l'ai. Et on ne rate pas la pièce. Sors de là, poisson! C'est vraiment un stage uniquement rempli de tonneaux, hein. Faut connaître les timings pour passer sur les tonneaux. Alors attendez, parce que là j'ai rien compris. Pourquoi est-ce que je l'ai raté le dernier coup? C'est pas possible! Je suis vraiment zéro! Je suis zéro, je ne sers à rien! Un véritable débutant! Foutez-moi la paix! Arrête de jouer le dingue! Voilà, merci, impeccable! Ça commence juste à me plaire. Tac, tac, tac. Nickel, tac, tac, nickel. Nickel. On attend un peu. On récupère le cœur ici. Le poisson sort, j'ai le N. S'il vous plaît. Apprends à viser. Ah, merci. Il a fallu recommencer 6 fois juste pour ça, quoi. Sac fini. Je suis un sac fini. On va tellement s'amuser sur l'extra stage. Mais non, mais dites pas GG, dites pas GG, ça c'est pas GG, c'est de la merde. Sincèrement, c'est de la véritable merde. On peut pas se féliciter de ça. Bon alors là je vais faire des trucs, c'est pour plus tard. Je vais récupérer 3 potions d'invincibilité, 3 Dixie et un Cranky. Vous verrez pourquoi. Voilà, c'est calme. Je peux quitter le bazar. J'en avoir besoin. Ah voilà, Kent est nul. Je préfère ça. Là, on va pouvoir juger. Alors, je le fais en full donkey. Est-ce que je le fais en full donkey? Alors, je vais récupérer quand même une Dixie parce que je crois que j'en ai en rab. Ouais, c'est le one shot, ouais. Extra stage du monde 3. Là, les choses sérieuses commencent, mes amis. Ça, c'est difficile. Là, je l'accorde. Ces mondes-là sont difficiles. Voilà, j'en appelle à ça. Ah, oh, bah, il me le donnait. J'en avais pas besoin. Allez, c'est parti. Les mondes de l'angoisse. Alors là, je ne peux pas rester appuyé sur ça.
pour la simple et bonne raison que le truc, eh bien, s'électrocute, comme vous pouvez le voir. On va rester calme. Parce que là, ça peut être la mort à tous les râteliers. Merci, impeccable. Oui, mon jeune ami, nickel. On est bien. Allez, première partie relativement... Hop, c'est bon. Relativement... Trouvé facilement. Ça ne me fait pas peur. Impeccable. Ouais, la première partie s'est plutôt bien passée. Là, il faut que vous sautiez un tout petit peu parce que sinon vous électrocutez les plaques. Ça, c'était de ma faute. Il y en a pas un là ici de cœur, s'il y a un cœur ici. Oh là là, mais c'est rythme, ce rythme. Alors là, je peux passer. Ok. Ça passe. Là, je me baisse. Tout est bien passé. Nickel pour le rythme. Là aussi on est bon. Je suis bien. Okay. Je l'ai. C'est pas fini quand même. Il reste des trucs. Ah, ah voilà, on te fait atterrir sur des... Allez. C'est dégueulasse. Je tiens à dire que c'est dégueulasse. Tiens, pour la peine, je me suicide. C'est dégueulasse. Ça, c'est vraiment le piège dégueulasse foutu à la fin exprès. Je m'insurge. Je peux vraiment pas passer plus vite que la musique. C'est vraiment difficile, voire impossible. Ok, là pour le moment c'est très très simple. Ah, j'aurais pu aller directement sur cette plateforme. C'est pas grave. C'était dégueulasse! Boum, boum! Récupère là mon cœur. Ouais. Et nickel. Ça c'est bon, je l'ai. Ça j'ai le rythme. Je passe là-dessus. 1, 2, 3, 4. Et bien. 1, 2, 3. Allez, maintenant on se rate pas. Ça, c'est là où Dixie peut être super chiante. Parce que Dixie vole et fait foirer ton timing de... Fait foirer le timing de rebond. Non, de quoi? De quoi? Non. Allez, je superplay le jeu là, c'est parti. C'est insupportable. Ah d'accord, je pouvais faire ça. Ok. S'il vous plaît, hein. Me recommence pas un truc comme ça. Hein. C'était la partie la plus simple en plus. N'importe quoi. Oh là là, mais foutez-moi la paix. Ah Dixie, pourquoi t'es morte?
On fait le pari que je n'ai pas besoin de Dixie. Finalement, c'est un peu plus difficile sans quand même. Un, deux, trois. Au moins, elle me fera pas foirer mon timing d'ici. Un, deux, trois. Nickel, Michel. On est bien. Un, deux. Bien. Un, deux, trois. Non ! Oh, punaise ! Tout va bien, tout est sous contrôle, je maîtrise mes éléments. Boum, boum, voilà, et là c'est dangereux. Et là faut faire très attention parce que je peux crever en 2 frames et demi. Par exemple comme ça. Voilà. Ah là, là on s'amuse. Je vais pas jouer le dingue. Aïe, j'ai mal. Franchement, j'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. S'il vous plaît. Merci. Non ! Je veux aller trop vite. C'est ça ton problème, Verdier. Tu veux aller trop vite. Ok, je passe et là on se calme. Merci, merci. Voilà. Faut se détendre, c'est un petit jeu sans pression, Donkey Kong. Allez, j'ai perdu Dixie et je vais crever à cause de ça. Fous-moi la paix. C'est plus les mêmes, hein, avec le gros donkey. La roulade est plus la même. Du coup ça change un tout petit peu la physique des sauts. C'est tout de suite moins facile. D'accord. Okay, ça s'est bien passé. Alors qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui n'allait pas ici? Concentre-toi. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Nani! Oh mais c'était juste la fin, mais c'est pour ça. Mais voilà mes amis, on y est arrivé. On est bien. Bonjour messieurs. C'est comme ça qu'on est bien. Franchement, c'est le dernier piège. Je me prends le dernier piège 3 fois de suite. Franchement. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Sinon, Watch Dogs, c'est bien ou c'est pas bien alors? Ah, la relique mystérieuse. Parfait. Alors, on va aller faire un des boss les plus intéressants, mais aussi les plus durs du jeu. Ce boss nécessite réellement Cranky. Ce boss démontre parfaitement la toute puissance de Cranky, je pense, dans le jeu. Le boss, c'est Sarutobi. C'est Sandaime. C'est le troisième Okage. Oui, je joue à la manette pro, déconnez pas. Évidemment. Y a-t-il une autre manette sur Wii U? Voilà. Allez, et là, faut vraiment pas se rater. En fait, Cranky va être le seul qui va pouvoir toucher ce boss à certaines reprises. Voilà, ce boss est 3. Ils vont essayer de provoquer... Voilà, regardez. Ah, je vais pas y arriver. C'est dommage. Mais avec le bon timing, voilà, avec Cranky, on peut rebondir sur ces... sur ce boss, comme ceci, et gagner énormément de temps. Et c'est le seul moyen de rebondir sur les boss. Fous-moi la paix. Voilà. Je t'ai eu...
toi aussi, impeccable. Bon, il va passer dans sa deuxième phase, très probablement. Allez, le timing. Je l'ai. Timing, je l'ai, voilà, ça c'est impossible de faire sans tranquille. Ok, on est bien. Allez, on va passer à sa période. Sa période, je t'envoie des bombes. Voilà, là je peux le toucher grâce à Cranky aussi. Et là je peux le toucher sans Cranky. Impeccable. On est bien pour le moment. Les patterns sont connus. Voilà, lui j'ai dégommé. Il va remonter. Bon, avoir les deux d'un coup c'est très très difficile. Et là va passer en mode vénère où va faire les vrais Kagebunshin no Jutsu. Kagebunshin no Jutsu. Il envoie des vraies bombes. Là c'est assez difficile de le toucher tant qu'il n'a pas envoyé la bombe que je peux capturer en fait. Voilà celle-là. Une fois que j'ai celle-là, je peux lui envoyer à la tronche. Voilà. Kagebunshin no Jutsu. Ok, donc ça, ça sert à rien. Je peux mettre là, c'est un safe spot. Le problème de ça, voilà, c'est que je vais pas arriver à le tuer lui. Parce que j'aurai pas le bon, le bon angle pour aller l'attaquer. Et à chaque fois, les bombes vont venir me viser, vous voyez. Là, j'aimerais bien pouvoir le toucher, mais c'est vraiment très difficile de le toucher lorsqu'il glisse comme ça. On va attendre son pattern. C'est une pattern bombe. Je peux peut-être l'avoir là. Ah là là, j'ai vraiment pas de chance. Ou pas de skill. Plutôt pas de skill, je pense. S'il te plaît, allez, réitère. Réitère. Sois gentil. Ok. Est-ce que vous voulez bien me fusiller avec une pelle? Mais sans déconner, je te touche 6 fois! Réveille-toi un peu, Sarutobi! Allez, là, je peux l'avoir. En full roulade? Putain, mais c'est pas possible. Mais c'est l'école des sacs. Ah, je l'ai eu, parfait. Kagebunshin no Jutsu, encore une fois. Avec le même pattern à la con. En fait, là c'est vraiment très difficile de le tuer rapidement, vous voyez. Parce que là, le safe spot du pattern va se trouver ici. Où il faut se baisser. Et en plus, il commence à utiliser un marteau. On voit bien, non mais allons-y, gaiement. Fais-toi plaisir surtout. Voilà, niqué. Attention. Oula, 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 oula. Merci. C'est tué. Les boss sont vraiment passionnants. Hein. Énormément de mix-up de patterns, énormément de phases. Des boss longs, relativement épiques. Et des choses intéressantes. Voilà, 100% sur ce troisième monde. Impeccable. On va pouvoir passer au lagoon. Lagoon. Mais le tout, c'est d'essayer de super play. Alors, ce monde-là, ce lagoon, il est assez intéressant parce qu'il y a vraiment énormément de sorties. Alors, c'est réellement un monde... Enfin, ça sera surtout le monde d'après. Il me semble pas forcément celui-là. Où Dixie va avoir une importance capitale. Parce qu'un des gros avantages de Dixie, c'est qu'elle peut remonter les courants. Il faut savoir deux choses dans Donkey Kong Country Tropical Freeze. C'est que le meilleur personnage dans l'eau, c'est Diddy Kong. Car c'est lui qui permet de se déplacer le plus vite. Et je vais vous montrer comment. Voilà, je vais vous montrer quelques strats pour vous déplacer vite dans l'eau. Alors, normalement, il y a plusieurs méthodes. Donc, on peut nager comme ça, ce qui permet de nager vite. Et on peut faire la roulade, ce qui permet de se déplacer plus vite. Mais vous voyez qu'entre deux roulades, on perd quand même du temps. Il y a un moment de recovery. En fait, pour nager le plus rapidement possible, il faut d'abord faire une brasse. Et ensuite, brasse, roulade, brasse, roulade, brasse, roulade, brasse, roulade, brasse, roulade. Et là, vous ne perdez jamais de vitesse. Lorsque vous dirigez, lorsque vous êtes dans l'eau. Le mode brasse, roulade. Et donc maintenir la brasse roulade comme ceci, c'est quelque chose de pas forcément évident. Là je vais prendre Didi volontairement pour vous montrer. Voilà, Didi en fait il a ça. Et si vous réitérez ça, non seulement vous avez des possibilités de changement de trajectoire très très fortes, mais en plus
vous allez pouvoir vous déplacer extrêmement rapidement dans l'eau, comme vous pouvez le voir. Je vais juste vérifier que j'ai pas raté le... Ça, c'est une pièce. Ça, c'est de la merde. Voilà, rien que le fait de propulser le jet comme ça est la méthode la plus rapide de se déplacer dans l'eau. Donc, il faut savoir alterner entre Didi, qui peut se déplacer rapidement dans l'eau, avec ce jetpack Mukubinisé, et Dixie, qui est réellement le seul véritable personnage du jeu à pouvoir nager à contre-courant. Et nager à contre-courant, c'est vraiment très très utile. Nage, roulade, nage, roulade, nage. Donc là, comme il faut, oh, je vais rester quand même ici. Et là, il me faut absolument Dixie. Donc j'espère que je vais avoir un tonneau Dixie dans pas longtemps. Voilà. Dixie, là, faut vraiment pas rater Dixie. Sinon, on ne peut plus rien faire. C'est vraiment un des ennemis les plus chiants de l'histoire. Fous-moi la paix. Voilà, là, je dois absolument pas perdre Dixie. Hein. Donc déjà, elle va me faire permettre d'avancer rapidement dans ces zones-là, alors que normalement, on doit attendre que le réacteur ait fini de raconter sa vie. Mais en plus, ça va me permettre d'avoir un passage secret. S'il te plaît, calme-toi. Je peux passer là. Oui, je peux passer. Alors là, faut que je fasse juste un tout petit peu attention à ce que je fais. Parce que là, il y a une sortie secrète. Donc, une fois que vous activez ça, si vous revenez en arrière et vous conservez Dixie, vous avez la possibilité, voilà, vous ouvrez un passage juste là. Avec une pièce, mais surtout un passage secret. Si vous maintenez le bouton A à foncer, voilà, maintenir A, c'est bon. Et là, vous ouvrez la sortie secrète. Alors, la sortie secrète va juste me donner un stage supplémentaire. Mais évidemment, je vais devoir recommencer le monde pour avoir l'intégralité des pièces Kong. Vous voyez, j'en ai manqué quelques-unes. Les musiques sont vraiment extraordinaires. Et là, évidemment, c'est le remix de la musique du 1. Ok, donc sortie secrète trouvée. Maintenant, on va prendre la véritable sortie avec l'intégralité des pièces Kong. Je dois bien vous avouer que je me suis pas entraîné énormément à me déplacer très très bien dans l'eau. Du coup, je me déplace un peu comme je peux, on va dire. Disons que Dixie me suffiront. Rien que la nage maintenue Dixie. Allez, s'il te plaît. Changement de trajectoire. Changement de trajectoire. Merci. Ok, bon, je l'ai déjà perdu. J'ai encore voulu aller trop vite. Là, il me semble qu'il n'y a rien du tout. Je vais juste prendre ça. Aller dans le tonneau. Impeccable. Je suis très bien. Il va me falloir réellement, s'il te plaît. Arrête de faire des choses comme ça. Rota, Rota, Rota. Voilà, merci. Je sais, je suis en manque d'air, je suis en manque de tout. Je suis en manque d'inspiration. Mais je suis pas censé avoir justement de l'air là. Je suis pas censé avoir une Dixie qui traîne quelque part par là. Ah, voilà, parfait. On va essayer de récupérer Dixie. Je t'ai vu, Tech, hein. Joue pas le dingue, gamin. Tech que vous retrouverez juste après pour Donkey Kong Country Returns aussi. Il va jouer à des jeux un peu plus difficiles, hein, parce que, vous savez, il faut lui apprendre comment ça marche quand même. Il faut apprendre aux petits jeunes, on m'a dit. J'apprends aux petits jeunes. Ok, alors, je vérifie juste que... Je vérifie juste que mon pièce K n'est pas là. Bon, c'est pas grave de se faire toucher ici. Oui, donnez-moi ça. S'il vous plaît, ça c'est inadmissible. Inadmissible. Je m'insurge.
Mais non, mais... Apprends à viser. T'as de foutre fini à la pisse. Merci. Impeccable. Donc là, faut pas que je me rate, ce qui me semble. Oh là là, je déteste ce moment-là. Je me suis déjà raté. Alors, voyons voir. Calmons-nous. Je nage. Didi, c'est parfait pour se déplacer vite. Alors, je me demande où est le dernier, la dernière pièce. Oh là, il y a tellement de trucs à récupérer ici aussi. Ça, c'est passage secret, il me semble. J'espère qu'il n'y a pas une pièce ici. Ah, il faut récupérer tout. Non, mais ça, on se fait chier. Jetpack. 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 Alors, c'est marrant. Bien que ce soit la façon la plus rapide de se déplacer, ça n'est quand même pas la façon... S'il vous plaît. Ça n'est quand même pas la façon utilisée pour nager à contre-courant. Je l'ai. J'ai le G et c'est le GG. Voilà, il y a une autre pièce en bas. Inutile d'aller chercher, on n'en a pas besoin. La sortie secrète a déjà été trouvée. Respectez l'âge de tech. Je vous en supplie, respectez l'âge de tech. C'est pas bien. Parlez de Watch Dogs. Parlez du test de jeuxvideo.com de Watch Dogs. Watch Dogs vaut-il 18 sur 20? Moi j'ai regardé deux. J'ai regardé un peu Alex Flick jouer. Et j'ai eu l'impression qu'il jouait à GTA. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être je me suis trompé. C'est un GTA pacifique. Ah, on me dit non. Alors qu'est-ce qui se passe? Jeuxvideo.com serait-il des vendus? Ont-ils été achetés par Ubisoft? Non, je ne veux pas le croire. Je ne veux pas croire ce genre d'ineptie. Vous m'entraînez sur une pente un peu trop savonneuse. Ah, j'ai besoin de cranky là. J'ai besoin de cranky et je dois absolument pas le perdre. Ok, alors cranky il est génial dans ce stage là encore une fois. Bon après, où est-ce qu'il y a des stages que cranky n'est pas génial? Parce qu'il peut, eh bien évidemment, rebondir sur la plupart des trucs très très chiants de cette partie du jeu. Ça, je m'en contrebalance. Je dirige ici. Mais cranky, s'il te plaît. Merci. Oh là là, mais ce remix encore. On va reprendre cranky. Voilà, là cranky, faut vraiment pas le perdre. Fais pas le convertir. C'est pas grave. Il y a bien un cœur ici, évidemment qu'il y a un cœur. Voilà, vraiment le jeu. Le jeu fait vraiment en sorte que vous ne perdiez pas Cranky Kong. S'il te plaît. Oh là 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 là. Allez, le jeu fait en sorte, mais par contre Verdier lui, il fait en sorte de bien se ridiculiser. Redonnez-moi un cœur. Okay. Je ne l'aurai pas là, j'ai vraiment plus le droit à l'erreur. C'est pas grave. S'il vous plaît, s'il te plaît, ne fais pas le con. Allez, j'y crois à mort. Je passe. Le N est là. Cranky est là pour m'aider. Impeccable. Nickel. Donne-moi un petit cœur. Ah, c'est pas possible, j'ai pas de chance. Non, je me contrefous de ce bazar. Ah ! Bon, remarque, avec Cranky, j'en ai un peu rien à foutre, hein, je peux faire ça. Voilà, et c'est là. C'est là qu'il y a une sortie secrète qu'il faut pas rater. Et ça c'est l'enfer parce que, ah là là, il y a un cœur ici. Oui, il y a un cœur. Alors attendez, ne paniquez pas, tout va bien se passer. Ok. Non, j'ai raté. Dernière chance. Oh là 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 là, c'est tendu. J'ai pas le timing. Je l'ai, impeccable. Allez, c'est le GG. Nickel. J'ai vraiment cru que j'allais pas y arriver. J'ai vraiment cru que j'allais me conchier et ne pas y arriver.
J'avoue déjà avoir des cœurs rend le jeu plus facile. Mais rassurez-vous, tous ceux qui trouvent que les cœurs ça rend le jeu trop facile, eh bien il y a le mode difficile après où ça se joue à l'ancienne. C'est-à-dire que vous avez un seul cœur, si vous êtes deux, vous avez deux cœurs, tout simplement, voilà. Là, c'est vrai que donner deux cœurs, ça rend les choses quand même beaucoup plus simples. Je dois bien vous avouer. Bon, le jeu est un peu plus pervers et les stages sont un peu plus longs que... qu'à la normale. Mais tout de même. Là, je n'ai pas besoin, si j'ai besoin, de refaire le monde quand même. Salut tout le monde, salut le chat, salut tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Non, rassurez-vous, le mode normal est débloquable. C'est vrai que c'est le mode facile, ça. Et je comprends, hein, vous avez le droit de... vous avez le droit de pester. Vous avez le droit de pester, c'est vrai que c'est le mode facile qui a... Mais vous débloquez le mode normal juste après, hein, rassurez-vous. Les développeurs ont pensé à vous. Raté. J'ai besoin du haut, donc c'est pour ça que je passe par là. Globalement, ça me fait juste perdre. Ok, tout se passe bien. Mais là, je dois bien avouer qu'on perd énormément de temps dans les phases aquatiques avec avec Cranky, mais bon, on n'a pas le choix. S'il vous plaît, calmons-nous. Merci. Allez, allez. Ah, ça c'était pas prévu. Bon là du coup on va tout casser. Je vais quand même récupérer le cœur au cas où parce que j'aimerais bien conserver Cranky pour après. Qu'est-ce que c'est que ça? Nickel. Impeccable. Voilà, le 100% Kong est très très bon. Bah la durée de vie, elle est... franchement la durée de vie, si on envisage le jeu comme un véritable jeu de super play, la durée de vie est immense parce que vous voyez, vous pouvez tout recommencer les stages en mode chrono. Et le mode chrono, c'est le défi infini. Mais c'est comme vous allez me dire la durée de vie de Mario Kart. Allez, il y a des durées de vie du fun, mais on peut trouver du fun en solo avec ce jeu-là. Je sais pas pourquoi j'ai fait tout le tour, une envie. Je pars à l'aventure dans les mines sous-marines. Et ensuite le mode difficile qui, ouais, rend les choses plus intéressantes, on va dire. Étant donné que le jeu à deux est une véritable purge, c'est assez fun, mais... en fait, t'as vite fait de trouver ça pas drôle. Ah ! Ça m'avait tellement manqué. Allez, le cas c'est bon. Nickel, nickel. Le haut est où ? Je cherche le haut. C'est bon. Tout est sous contrôle. Ah, et l'effet de perspective. Ah non, ça c'est la merde, j'aime pas ça. Ah, c'est de la merde ça. Foutez-moi la paix. J'ai le haut, impeccable. Nickel. Putain, Maurice. Ça c'est tellement la baiserie. Ça mérite tellement pas mon respect. Ah, ça c'est pour le swag. Je sens que je vais rater une lettre. Ok.
Nickel. Maurice, sans déconner. Ah, je l'ai raté. C'est pas grave, moi c'est la lettre qui m'intéresse. Foutez-moi la paix. Donnez-moi mon N. Je l'ai. Maintenant, il s'agit pas de crever comme une merde. Ah, je sens que ça va être le sale piège. Je sens que la dernière lettre, elle est en mode piège total. Oh, elle va être quelque part par là. C'est dégueulasse. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu fais ça, le jeu? Ah, je l'ai raté. Je vais devoir crever. Foutez-moi la paix. Ah, je me souvenais plus. C'est dégueulasse. C'est parti. Hop là. Impeccable. Voilà, donc là je perds des vies volontairement pour avoir les pièces Kong. Mais comme j'ai expliqué en fait dans le jeu, il y a déjà, même dans le mode facile, le mode que je fais là, enfin le mode normal quoi, il y a déjà plusieurs lectures des niveaux. Vous avez la lecture, vous faites le niveau, vous en avez rien à foutre à la fois des pièces, à la fois des pièces Kong. Vous faites le niveau avec les pièces Kong, ça rajoute un niveau de difficulté supplémentaire. Vous faites le niveau en voulant avoir toutes les pièces de puzzle, ça rajoute un niveau de difficulté supplémentaire. Profonde pénombre. Part à l'aventure. S'il vous plaît, arrêtez avec Cyril Hanouna. Je vous en supplie, calmez-vous. Ah! Ça m'a l'air très accueillant. Oh, ce stage, mes amis! J'ai juste envie de vous monter la musique. Que vous puissiez profiter. Ce stage est tellement magnifique. Pas besoin de console puissante hein, pour faire des choses superbes, hein, vous savez. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Hein. Watch Dogs 720p 30 fps. Comme on dit. Oh, s'il vous plaît, fous-moi la paix. Je crois que j'ai raté toutes mes pièces là, attendez. Ah bah non. J'ai même pas le cas. C'est pas possible. Bah oui. Ouais, ça je sais, y'a un passage secret ici, mais j'en ai rien à battre. Replongeons dans les profondeurs des abysses. Ah, y'a des trucs ici là. S'il vous plaît, foutez-moi la paix, merci. Non, c'est pas là. Où est ma pièce? Je réclame ma pièce. Je réclame ma pièce K. Et ici, non? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Elle était tout au début du jeu, je l'ai raté? Pas là. Pas dans ce cerveau. Ici? Mais foutez de ma gueule, elle est où la pièce? Ah, elle est là! Parfait. Calmez-vous. Allez, on est parti. Brum, 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 brum. Moto bécane. Voilà, sincèrement, vous avez vu à la vitesse à laquelle ça va de se déplacer comme ça. Et en plus, vous ne provoquez pas de choc. Parce qu'en fait, quand vous faites des roulades, vous avez, vous risquez d'entrechoquer en fait certaines parties
du stage. Ok, le haut s'est récupéré. Nickel. Ah, je vais perdre un peu. Non, c'est bon. J'aurais dû peut-être prendre... J'ai peut-être joué un peu trop le show. Parce que là, j'ai plus d'air, finalement. Et voilà. Il faut de l'air. Merci. Je vais passer. Nage, roulade. Nage, roulade. Nage, roulade. Nage, roulade. Nage, roulade. Nage, roulade. Le N est là. Nage, roulade. Nage, roulade. Respiration. Je me suis fait toucher comme un gros gland. Désolé pour tous les glands que j'aurais insultés. Non mais t'es sérieux ? J'ai manqué de lucidité sur ce saut. On va le recommencer. Non. Je peux pas l'avoir visiblement comme ça. Bah tiens, pour me venger, je vais récupérer ça. Voilà. Voilà, impeccable. Ce sera ma vengeance à moi. Ok, on en a pas besoin. Ça, c'est de ma faute, je l'ai raté. Oh là là, on se calme les amis. Ah, il faut suivre les poissons. Suivons les poissons. Ah, ça c'est aussi tellement stylé comme idée. Ah, par contre, je vais les suivre en intégralité. Parce que je sais qu'ici il y a un truc. Je vais mourir. Je vais mourir du cancer. Je vais mourir, les amis. C'est bon. Tout est sous contrôle. Ça, c'est normal. J'ai fait le sac dans mes déplacements. Le G est là et le GG est ici. Impeccable. Ah, des jeux sur Wii U, il y en a plein, hein. Surtout aujourd'hui, hein. Et des jeux intéressants, hein, sur lesquels vous ennuierez pas, avec pas mal de replay value à chaque fois. Et des jeux à la fois beaux, fluides et... magnifiques. Si vous aimez les platformers, c'est votre truc. Ah, maintenant, il y a aussi ça, hein. Ça, c'est très très bien, hein. De ce que j'ai pu tester, c'est vraiment très très bien. Terreur tentaculaire. Ah, les tentacules. Que serait un jeu japonais sans tentacules? On se ferait chier sans les tentacules. Un peu de tentacules. Le stage des tentacules. C'est parti. Stage des tentacules égale je veux cranky. Mais oui, mais foutons des mines. Foutons des mines, bien entendu. Minons le terrain. Ah oui, mais c'est pas vraiment un stage des tentacules en fait. C'est piège. En plus, c'est trop facile à chaque fois. Ça... Oh là là. Fous-moi le camp. Fous-moi le camp, Verdier, fais pas le con. Non, mais ça, je veux pas. Moi, je veux la première pièce. Elle est là. Nickel. On est bien. Ah, ah, ah. Ils ont l'air relativement pas d'accord sur le fait que je me déplace par ici. Allez, on va accélérer un peu. Nickel. Très très bien pour le moment. Pourquoi à chaque fois je fais des erreurs de mouvement comme ça? C'est vraiment des erreurs bêtes, hein. Ah, les tentacules. Non. Fous-moi la paix. Non. Non, c'est en haut qu'il fallait. C'est en haut mon gars, c'est en haut. Ah, je me suis fait noyer dans une mare d'encre.
les tentacules, bordel. On se freine. On va prendre Dixie. Alors ce stage est intéressant parce que sincèrement, il est pas si facile que ça. Et il ressemble plus à un stage de course, d'un jeu de course, qu'un stage de jeu de plateforme. Il y a beaucoup de stages comme ça, hein, qui varient entre le jeu de course et le jeu de plateforme. C'est des stages qui sont assez intéressants. Maintiens le bouton Sakoyalo, merci. S'il vous plaît, calmons-nous. Ok, ça c'est passé. Je vais passer là aussi. Je sais pas combien de pièces j'ai réussi à récupérer pour le moment. Ok, on est bien. Salut vous. Non mais s'il vous plaît. Non mais s'il vous plaît. Calmons-nous sur cette histoire de tentacules. Oh là là, mais cette espèce de tentacule tournante, elle met tellement la pression. Ok, ça c'est récupéré, des tentacules. Foutez-moi le camp. Allez, c'est là où c'est le moment très difficile. Bon, je vais prendre Didi parce que c'est vraiment lui qui permet de se déplacer le plus vite. Mais le truc c'est que si je me déplace vite, je vais pouvoir faire des erreurs. Bon, Didi, sans déconner. Bon, d'accord, voilà. Des erreurs sont faites. Des erreurs sont faites pour être faites. Je vous prie de croire que les pièces de puzzle de ce stage là sont vraiment pas simples à trouver. Ouh, ça c'était swaggy. Petit mouvement swaggy. Nage, nage, j'ai plus d'air. De l'air, la surface. Aidez-moi. Tout va bien. Tout est sous contrôle pour le moment. Il y a tellement de passages secrets là au milieu de tout ça. Je nage. Non, non, tu vas pas me faire ça le jeu. Tu vas pas m'écrabouiller alors que tout se passait si bien entre nous. De l'air. Ah. Ah oui, mais je pouvais casser ça. Voilà. Quoi? Oh non, mais ça c'est dégueulasse. Non mais ça c'est dégueulasse. La double touche qui me fait repartir au checkpoint, ça c'est dégueulasse. Non, je demande réparation. JVC, insurgez-vous. Insurgez-vous. Il y avait double touche. La balle était de mon côté. Vous avez bien vu que la balle était de mon côté quand même. Dites quelque chose. Ah, je peux plus nager avec Cranky, c'est vraiment le pire perso dans l'eau. Je vais crever, mais... avec une aisance rare. Voilà, je suis mort. C'est bien fait pour ma gueule. Je demande réparation. Je demande à être remboursé de ce jeu. Ce jeu m'a volé. La double touche était favorable. La balle est passée du bon côté. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Fais pas le bon. Ah putain, je suis obligé de prendre tranquille. C'est vraiment une purge. Je ne veux pas de l'encre. Et je dois aller récupérer ça. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Je ne suis pas au degré près de la frame. Voilà, bah j'ai été tout ce que je mérite. Foutez-moi la paix. Ok, là je passe. Normalement, je peux passer ici sans faire double touche. Eh non, je ne suis pas arrivé. On ne sait pas pourquoi. Les patterns changent à chaque fois. Et ça m'énerve. C'est vraiment pas un stage facile. Nom de Dieu. Tu fais le malin avec tes grosses tentacules. Hein. Tu crois que c'est la taille qui compte, c'est ça? Ah, foutez-moi la paix, le jeu. Voilà. Je vais te péter la gueule. Voilà. Allez. Meurs, pourriture de communiste. Ah. Ah, une seule manette suffit d'ailleurs, la manette pro. Alors j'arrête pas de le dire, mais cette manette est vraiment une très très bonne manette. Bon déjà parce que moi j'aime énormément la symétrie des analogues.
Je comprends pas comment on a pu un jour arriver à des analogues qui étaient pas symétriques. C'est la GameCube qui a lancé ça, mais elle a lancé avec un faux stick analogique en fait. Donc ça avait du sens. Mais après, je ne sais pas, en copiant un peu tout ce qui se passait, Microsoft a fait de même. Et les gens se sont habitués à pas avoir les doigts symétriques, alors que finalement les doigts symétriques c'est tellement meilleur. Et cette manette a quand même une autonomie de 60 ou 80 heures. Hein. C'est quand même redoutable. Ah merde, j'ai pas envoyé de pub de tout le machin. Ah, vous me faites bien de me prévenir. Ah oui, en plus, il y a Cédric Mallet dans les locaux, il va pas être content. Faut que j'envoie de la pub. Faut faire tourner la boîte. Faut faire tourner la boîte. Respectons-nous. Ce stage est merveilleux, mais on en parlera après la pub. Vous avez raison. Vous avez le droit, vous aussi, à votre dose de Wolfenstein. A tout de suite après une coupure pub. Les sirènes nazies. Bien, de retour sur Gaming Live, deuxième partie de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Merci à tous d'être avec nous. Franchement, merci sincèrement de retirer Adblock. Je dois bien vous avouer que si vous êtes sur JVC et Gaming Live toute la journée,
devoir s'enfiler systématiquement la pub Wolfenstein, c'est... on est relativement proche du masochisme. Donc je vous remercie quand même sincèrement à tous ceux qui font cet effort-là et qui retirent, leur adblock pour faire vivre la web TV. Je rappelle, cette web TV, comme on l'a expliqué, s'autofinance entièrement sur les pubs et les prestations qu'elle fait, même si c'est la web TV de JVC. Et du coup... Ouais. Il y a Big B, il arrive, il me dit, si vous achetez Wolfenstein, il y a un code dedans qui retire les pubs sur Gaming Live. Sincèrement, je préfère encore me taper les pubs des nazis de Wolfenstein plutôt que dépenser 70 balles dans ce vieux jeu de merde. Mais bon, c'est autre chose, c'est un autre débat. C'est la pub qui donne le plus envie d'acheter Watch Dogs. La pub de Wolfenstein. Allez, on est parti. On va suivre. Ce monde est vraiment, vraiment stylé. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, il y a un petit truc avec ce monde. Je sais pas si je vais arriver. Il y a un petit trick à réussir à faire. Juste ici, voilà. Vous pouvez arriver là-haut. Et là-haut, vous avez une pièce cachée. Elle est relativement difficile à avoir. Voilà. Mais vous pouvez l'avoir sans avoir de trucs. Et ce monde est super intéressant puisque c'est un monde labyrinthique. Le monde labyrinthique où vous devez choper des clés pour débloquer des trucs. C'est un monde super intéressant. Alors, moi je connais le monde normalement, si j'ai pas oublié. Ouais, vous devez ouvrir des coffres en trouvant des clés. Tout en ne perdant pas évidemment votre air. Le tout dans une ambiance aquatique. Là, juste récupérer ça. Récupérer le N aussi. Virer avant que le mec me tape. Impeccable. Ok, faut pas que j'oublie de récupérer toutes les pièces Donkey. S'il vous plaît. Là, je dois récupérer tous les trucs ici parce que ça ouvre les portes. Et ça va être assez important d'ouvrir les portes. Ces bananes qui s'enroulent en escargot. S'il te plaît. Ah merde. Ça, c'est plus tard que je vais devoir y aller. Faut pas que je meure aussi, s'il vous plaît. De l'air, je vous en supplie. Merci. Il y a de l'air ici, normalement. Il y a de l'air ici, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donkey Kong, de l'air. Merci. Impeccable. Donc, on va faire tout le tour de la map pour trouver les différents coffres à ouvrir. Alors là, il me semble qu'il y a un coffre et pas une clé. Hein. Je crois que la première clé, elle est pas là. Voilà. Bon, ça sera le coffre bleu, j'irai plus tard. Je veux juste récupérer toutes les pièces Kong avant. Je vais probablement sortir et me retrouver au début. Voilà, je me retrouve au début, c'est normal. Il y a toute une boucle à faire. Avec le jeu. Ici, normalement, je devrais récupérer le haut. Très bien. Le haut ainsi que un petit coup de Didi. Mais non! Mais je me suis fait bouffer par le requin! Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucun checkpoint dans ce stage. Du coup, si vous ratez, vous recommencez tout. Hein. Il n'y a vraiment aucun mind game. Il ne faut vraiment pas se rater. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Tout va bien se passer. Les pièces Kong sont là pour vous indiquer l'ordre dans lequel il faut faire tous les trucs. Donc là, normalement, en haut à gauche, il y a aussi... voilà, quelque chose. Et je crois que la première clé se trouve ici, si je me rappelle bien. Voilà, la clé rouge. Impeccable. Récupérez la clé rouge. La clé rouge vous donne accès à une autre clé, et ainsi de suite. Voilà, la clé rouge est directement là. On va juste bouger ce gros tas de merde. Voilà, la clé rouge vous donne accès à la clé verte. La clé verte qui se trouve sur le coffre vert que l'on a déjà vu. Qui est un tout petit peu plus loin. Je devrais normalement pouvoir y accéder sans avoir à recharger mon air. Voilà, clé verte. La clé verte qui donne donc accès à la clé bleue. Juste récupérer le N ici. Fous-moi la paix, toi! Voilà.
La clé bleue, elle se retrouve dans le trou, vous l'avez vu. Pour récupérer le trou, faut que j'ai l'intégralité des bananes ici. Allez! C'est le skill négatif! Récupérer un peu d'air. De l'air, merci. Je suis au fond du trou. Voilà, clé bleue impeccable qui donne accès à la clé jaune. Qui se trouve tout au début du jeu. Et le chemin le plus court pour y aller. Avec le stage qui évolue, hein, parce que là vous voyez le stage a des ennemis supplémentaires. Il me semble que c'est ça le chemin le plus court pour y aller. Impeccable. Pas que j'oublie de récupérer de l'air quand même. Sinon je vais me faire biaiser. Fous-moi la paix toi. Mais va tout simplement te faire mettre. Tu comprends le français? Merci. Voilà, et je récupère la clé pour ouvrir ça, qui va me donner accès à la dernière partie du stage. Viens me... Mais fous-moi la paix, hein. Merci. Et là, il faut pas rater, normalement, le G. Ce que je vais, à mon avis, allègrement faire. Non, c'est bon, je l'ai pas raté. Voilà, fin du stage. Le stage est super intéressant. Il y a tout... Il y a tout comment... Toute une circulaire à faire, tout un chemin à trousser, tout un routing à déterminer. Sachant que vous êtes systématiquement sur si. Parce que une des choses super intéressantes qu'ils ont implémentées dans le gameplay du jeu qu'il n'y avait pas avant, c'est que vous manquez d'air. Vous manquez réellement d'air sous l'eau. Vous n'êtes pas infini comme les stages de Donkey Kong Country 1, 2, 3. Où les stages de l'eau finalement sont chiants à crever. À part pour le 2. Ils sont un tout petit peu plus intéressants. Monte le son du jeu, d'accord, pas de problème. Voilà, je vous montre le son du jeu. Voilà, vous devriez l'avoir un tout petit peu plus fort là. Vous l'entendez mieux là? Je vous le mets un peu plus, hein. Messieurs, bonjour. Alors, c'est rigolo. Alors, voilà. Bonjour à tous. Bienvenue sur Gaming Live. Nous sommes en plein stream, mais ne vous en faites pas, tout va bien se passer. On va terminer ce Donkey Kong Country Tropical Freeze. J'ai du public, hein. Il y a 1, 2, 3, 6 personnes au moins ici. Ils sont là, ils se cachent dans la pénombre de ma grotte. Ma grotte où je suis tout seul, bien installé. J'espère que vous êtes tranquilles. Les hauts dirigeants regardent. Faut pas que je fasse de bêtises, hein. Faut que je dise rien sur les pubs Offenstein. Aucun détour sur la note de Watch Dogs, rien. Je vais rester dans le politiquement correct. Jusqu'au bout de ce stream, hein. Attention, ma place est en jeu. Ah voilà, stage très intéressant ici. Puisque vous allez avoir à la fois énormément de trous, mais aussi beaucoup de stages et beaucoup d'utilisation de la bombe. S'il te plaît, la bombe. Déconne pas, merci. Le son est très très fort pour moi. Le son est très très fort. J'espère que le son est pas fort pour vous. Ah, ça c'est fait partie de mes stages favoris parce que c'est des stages qui sont relativement jouissifs. Dans lesquels vous pouvez assez facilement vous exprimer. Ah, ça c'est les stages de Cranky, ça. Voilà. Vous voyez à quel point Cranky peut être fort sur ce genre de stage là. Voilà, vous voyez, je récupère ça. Ah merde. File-moi la bombe, toi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est super fort dans mes oreilles. Et vous entendez pas le son du jeu, vous? Ah, mais moi, c'est tellement fort. C'est tellement fort, le son du jeu. Ah, quelle horreur. Et vous, vous entendez quasiment rien. Alors là, je vais me devenir fou. Ah, mais il doit y avoir un truc. Il doit y avoir un truc qui fait que vous entendiez quasiment rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je vais perdre mon emploi, déconnez pas les mecs. J'avoue, vous entendez quasiment rien du son du jeu, c'est chaud.
Là, je l'ai mis à fond. Je peux pas le mettre plus fort. Ah, mais c'est la pub. C'est la pub qui a tout baisé. On joue à Bomberman. Ah mais non, attendez. Parce que je dois quand même prendre les bombes. Pour détruire ça. Ah ouais, voilà, c'était là le cœur. Ah, c'est la pub, elle a baisé mon son. Allez, s'il vous plaît, calmez-vous. Oh là là, mais ces stages où il faut descendre, puis monter, puis redescendre. C'est tellement des stages trop stylés, sans déconner. Je vous jure, c'est ultra jouissif à jouer en plus. Hein. Nickel, nickel, nickel. La pub a baisé mon son. C'est Wolfenstein, il vous a cassé les oreilles. En fait, vous êtes devenu sourd. En fait, le son est à fond. Mais la sirène de Wolfenstein vous a rendu sourd. C'est dommage. Ah merde. Bon, c'est bon, j'ai le G. Tout va bien. Ok, nickel. On l'a. Impeccable. C'est terrible. Qu'allons-nous faire pour récupérer le son du jeu? Alors, Claude Ostrat. La Claude Ostrat ne marche pas. Ah, je suis condamné à retirer mon casque. Je vais donc retirer mon casque. Parce que là, j'ai mis le son à fond. C'est vraiment trop fort. Trop fort. Voilà. On est bien. Mais sans déconner, c'est quoi ces pubs là? Ces pubs qui nous cassent les oreilles. Ah, je ne sais plus comment mettre mon casque. C'est terrible. On est bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Dernier stage. Je termine ce stage là et ensuite j'ai le stage extra. Et on aura fait deux stages hein, quand même ici. Deux stages et demi, ce qui est plutôt pas mal. Bah oui, je sais, le son est pas fort du tout pour vous, je le vois bien. Je le vois bien dans mon contrôle de volume. Je vous assure que le son est à fond. Ça qui est terrible. J'essaie de modifier quelques paramètres. Hein. Non mais je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne vois pas. Et bon, on va faire le son comme ça, c'est pas grave. Alors normalement oui, hein, je sais pas quel est le programme exact. Je sais qu'aujourd'hui on est mardi. Donc il y a bien Watch Dogs, c'est ça, hein, par l'équipe de JVC il me semble, hein, à Sorcy. À 18h. Là juste après c'est Tech hein, qui va montrer sa déferlante de skills sur des jeux du LOL. Des jeux en mode what the fuck. Voilà, pour le public qui sort de l'école. Alors que moi j'ai plutôt un public de chômeurs ou de gens qui ne veulent absolument pas faire leur travail convenablement et qui préfèrent tout simplement regarder des streams plutôt que de travailler, ce que je comprends parfaitement. Ok, donc cette mécanique de verrou va être aussi très intéressante et c'est là où faut pas faire n'importe quoi et savoir se bloquer justement. Oui, je sais, j'ai plus d'air, fous-moi la paix. Mais non. Oh là là. J'ai plus d'air. Donnez-moi de l'air. J'ai l'impression d'avoir loupé une lettre, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu de lettre. On m'a baisé mon son. C'est Tech, ça. Depuis Tech est arrivé, le son, il est plus là. Je vais demander réparation à Cédric Mallet pour qu'on me rende mon son.
Ah bah si le cas est là, bon bah d'accord, écoutez. Je ne vois aucun problème. Brasse roulade. Brasse roulade. De quoi ? Oh, j'avais déjà perdu un cœur comme un sac fini à un vétéré. Je suis le dernier. La dernière des sous-merdes. C'est pas grave. Recommencer, c'est ma grande passion. On est bien. On s'arrête. Tourbillon. Tournicoti, tournicoton. Normalement, j'ai un safe spot tout en haut là. Voilà, impeccable. On est bien. Mais s'il vous plaît, restez calme. Est-ce que je peux me mettre là pour faire tourner le truc? Ah, faut vraiment que je prenne un risque. Et du coup, ouais, c'est ça, je suis au zéro de vital, d'accord. Ah, cette nage dissidente. On est bon. Donc là, faut vraiment que je fasse un super play. Tout est calculé. Ah, merci. C'est ça que j'aurais dû... Pour le perdre immédiatement après. C'est ça. C'est ça être malin. Alors encore le stage, si t'as pas cranky, tu n'as pas le truc. Moi, ça me dérange pas particulièrement. Poussez-vous. Cranky, impeccable. Juste peur qu'il y ait à chaque fois une pièce ici. Il n'y en a pas. À Cranky, c'était le pire choix pour refaire de l'eau, en fait. Va, 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 va. Il peut niquer les oursins, en revanche, avec ça. Ah, ça, ça rappelle les phases de tourbillon de Donkey Kong Country 1. Mais il n'y a toujours pas de pièces. Mais fous-moi la paix, toi. Le haut est ici. Mais arrête! Je manque de précision, c'est cruel. C'est vraiment des stages assez tranquilles, hein. Même s'il y a beaucoup de pièges dans les stages. C'est pas des stages qui demandent énormément de... qui sont très 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 exigeants. Parce que c'est des stages finalement assez lents. Par contre, c'est des stages qui sont relativement infernaux à speedrunner. S'il te plaît. Je l'ai. Que va-t-il se passer? C'est en bas que ça se passe. On est bien, il me faut quand même de l'air. De deux. Est-ce que la dernière marche va apparaître? Elle apparaît ici. Nickel. Allez, je crois que je suis à con. Je vais quand même m'assurer ici qu'il n'y ait pas la pièce. Non, il n'y a pas la pièce ici. Pas Cranky. Fous-moi la paix, Cranky. Voilà, Didi, c'est très bien. Voilà, comme ça je me suis fait toucher, je suis invincible et je peux avoir ça tranquillement. Tout était fait exprès, bien entendu. C'est un super play, je vous le rappelle. Ah, qu'est-ce que j'aime ces moments-là. Ces moments de douce fistinière. Bon, là, vous voyez, une fois qu'on a... Hop, on se calme. Une fois qu'on a Didi, c'est finalement relativement simple de passer cette séquence-là. Parce que, ouais, Didi, eh bien, a la possibilité d'aller très très vite sous l'eau. Avec le jetpack. Ça, c'était juste pour le swag. Hein. C'est pour le swag que je vous ai fait ça. Le petit tourbillon autour du truc, c'est cadeau, c'est pour vous. Faut que je rebalance des pubs, hein. Je suis désolé. iMedia est là. Jeuxvideo.com est là. Je vais me faire disputer par Cédric Mallet si je ne balance pas des pubs. Et comme juste après, eh bien, il y a deux stages du skill absolu qui sont l'extra stage et le stage du boss. Vous allez voir à quel point le stage du boss est un stage du skill total. Car je l'ai bien préparé. Et on va se taper les extra stages qui font partie des stages les plus durs du jeu. Les meubles magnétiques. On avait tous envie des meubles magnétiques. Non, ne pleurez pas. Mesdames et messieurs. Sachez que si je ne fais pas mon travail,
C'est le licenciement. Alors j'aurais aimé vous proposer des pubs de jeux intéressants, mais malheureusement, on n'a que Wolfenstein. Donc, s'il vous plaît, faites comme vous pouvez, mais regardez les pubs Wolfenstein. A tout de suite. Bien, c'est bon. Et puis Wolfenstein, c'est fini. Merci à tous d'avoir attendu. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des gens qui ont testé Wolfenstein. Personnellement, je n'ai pas testé encore le jeu, donc je ne sais pas trop ce que ça vaut. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils veulent le vendre, le jeu. Mais c'est quoi, Wolfenstein, si c'est dans la suite des autres Wolfenstein, c'est un FPS. Moi, je suis vraiment pas très très FPS, donc c'est pas trop mon style de jeu, je dois bien avouer. Bon, ça se trouve, c'est très très bien, hein. Je n'en sais foutrement rien. Normalement, j'ai remis du son. Alors, comment vous faites... Comment vous trouvez? Le son est meilleur? Si le son est meilleur, on y va pour l'extra stage. Et on y va. Ah, c'est un FPS, d'accord, ok. Oh, c'est un FPS, oh, ça saoule. Ok. Le son est bien, impeccable. Eh bien, on y va. Allez, c'est parti. Extra stage. Et on va terminer après avec le stage du boss. Alors là, les meubles magnétiques, c'est vraiment la purge. Sincèrement, c'est vraiment la purge. Un seul mot, la concentration. Concentrons-nous. Go, 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 go. C'est parti. Oh là là, ouais, c'est dégueulasse. Ce stage est vraiment dégueulasse.
Il ne devrait pas exister, mais c'est pas grave. Tout va bien se passer. Nickel. Les câbles. Ok, je suis bien. Oh, mais cette musique. Ça, j'en ai rien à foutre de ta gueule, toi. Ok. Ok, on est bien. Mais pourquoi? Foutez-moi la paix. Voilà, là on arrive à la partie très difficile du stage. Avec des fistinières partout. S'il vous plaît. Eh merde. Ok, là je l'ai. Pour le moment ça se passe. Nickel. Je vais rater ça. Non, c'est bon, je l'ai. Ok, deuxième partie sans encombre. C'est fini ? C'est fini ? Oh bah c'est fini ! Oh mais je suis déception ! Oh ce jeu est trop facile ! Ce jeu est trop facile, 2 sur 20 ! 2 sur 20, ah mais c'est des jeux pour tech ça ! Mais c'est les jeux pour tech, c'est beaucoup trop simple ! Oh là 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 là, mais c'est pas possible, ah bah non ! Bah remboursé ! Alors moi on m'a vendu dans tous les sites de jeux, que le jeu était trop difficile, que la difficulté était absurde ! Non ! Non, non. C'est beaucoup trop simple. Beaucoup trop facile. Non, je demande à être remboursé. Ah, bon, allez. Je vous échange dans quelconque country tropical freeze contre Wolfenstein. Contactez-moi sur Twitter s'il y a des intéressés. Voilà, je suis déçu. Non, je m'en suis bien sorti, ça va. J'ai un peu de chance. Bah, j'avais une bonne mémorisation. En fait, je me suis rendu compte que ce qui est réellement dur dans ces stages-là, c'est de récupérer l'intégralité des pièces de puzzle. Finalement, si tu récupères pas les pièces de puzzle, le jeu est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Je suis déception. Le boss de ce niveau est une purge. Une véritable purge. Voilà pourquoi en speedrun, pour faire facilement le boss de ce niveau, on utilise un stratagème que je vais utiliser devant vous. Alors ça n'est pas dégueulasse. On va se gaver de 3 potions d'invincibilité et on va y aller. En fait, sans les potions d'invincibilité, le boss est extrêmement long et extrêmement piégeux. Et vous pouvez recommencer en plusieurs minutes. Comme il ne reste que 10 minutes de stream avant de laisser la place à Tech. Et que je risque de le faire tuer. Oui, c'est de l'humour. C'est du second degré, mesdames et messieurs. J'espère que vous regardez mes streams en comprenant le second degré. S'il vous plaît, comprenez l'ironie de la chose. Voilà. Donc là, on va se rendre full invincible. Rien à péter. Et on va tout détruire. Là, je récupère Dixie. Je pense que Dixie peut être la mieux. Peut-être Cranky. Non, c'est Cranky qui va être le mieux. En fait, mais merde, j'ai récupéré Dixie. Quel con. En fait, c'est Cranky le meilleur dans ce cas-là. Le boss est un boss aquatique. Alors, c'est super intéressant d'avoir des boss aquatiques parce qu'il n'y avait jamais eu réellement de gros boss aquatiques. Et le boss aquatique a un point faible, c'est son gros cul. Et il est très difficile de viser son gros cul. Regardez ça, comme il est stylé. Donc, il est même étonné de voir un monstre aussi moche. Et en fait, les potions d'invincibilité vont me servir à me transformer en Super Saiyajin. Pour tuer le boss, où il faut. Ah, le son est trop fort, ça me casse les oreilles. C'est parti, on y va. Donc là, je me fais toucher volontairement et je deviens invincible. Ah, mais sans Cranky, ça ne marche pas. Voilà, c'est bon, je l'ai touché. Nickel. Je m'en contrefous. Voilà, et de deux,
et de 3 bientôt. Voilà, et 2-3, impeccable. Voilà, je suis de nouveau revenu invincible. Et là, le boss va popper de l'autre côté. Voilà, juste ici. Je vais me mettre dans ce spot-là. De toute façon, je suis invincible. Voilà, pour lui bourrer le derche. Je suis mal positionné. Mon spot est pas bon, mon spot est pas bon, mon spot est pas bon. Ah, bah là, je vais en chier. Je vais complètement en chier. Ah là, ça va être dur. Fous-moi la paix, j'aurais dû prendre Cranky. Touche-le, touche-le, s'il te plaît. Touche-le, merci. Ah, j'ai plus de potions, je vais devoir faire le vrai boss. Ah, il faut pas paumer quand même. Ah, c'est tellement dur. C'est tellement de la saloperie ce boss. C'est tellement de la merde ce boss, putain. Foutez-moi la paix. Ah, je vais perdre comme un malpropre. Et non! Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi, mon jeune ami. Il ne faut pas t'énerver comme ça, hein. On est en train de discuter, nous sommes entre gens civilisés. Ah, j'aurais dû travailler la strat avant, je savais que j'aurais dû le faire à la maison. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh là là, mais c'est impossible, mais fous-moi la paix. Mais non! Oh bah voilà, bah, j'ai plus de cœur, j'ai plus rien, je vais crever. Et je vais devoir tout me retaper. C'est insupportable. Ce boss est insupportable. Même les speedrunners ne supportent pas ce boss. Je vous assure. C'est vraiment un boss insupportable. Mais allez, c'est bon. T'as fini d'être gros là maintenant. Expose ton point faible. Mais non! Oh là là. Insupportable. Insupportable. Je vais refaire la strat et ce coup-ci, je vais prendre Cranky. En fait, le problème, c'est que sans Cranky, je peux pas taper dans son point faible. Alors, Cranky, lui, peut. De toute façon, c'est pas comme si j'étais en manque de pièces. Mais ça me saoule de devoir aller quand même rechercher quelque chose là. Chez Funky. En fait, le problème de ce boss, c'est la maniabilité dans l'eau qui est très difficile. Non, je m'en fous des vies, j'ai pas besoin de vie, fous-moi la paix. Voilà, j'en prends 12. Voilà. Je pense que je vais être assez invincible. Je vais bien réussir à ne pas me foirer. Fous-moi la paix. Comme un gros sac. Voilà, et c'est parti. Je fais la strat du speedrun, promis. Je me rate pas déjà en prenant Cranky. Inventaire. Voilà, terminé, c'est parti. Et on joue. La strat du speedrun. Allez, c'est parti. Cranky, on est bon. Croyez-moi, je suis bien moins vulgaire qu'un Bob Lennon. Messieurs les parents, vos enfants regardent Bob Lennon tous les soirs. Bob Lennon est probablement l'un des personnages les plus vulgaires, hein, du net. Voilà, ça y est, là je l'ai eu grâce à Cranky. Voilà, 2, impeccable, je me pose sur le safe spot, et 3, nickel. Voilà, mon premier Super Saiyajin m'a bien servi, je vais aller juste chercher de l'air et je vais me placer dans le deuxième spot qui est ici. Qui est le deuxième spot où va se trouver l'amicaline. Voilà, hop, 2, impeccable, il va se remettre ici et exploser son gros derche. Non, le gros derche, le gros derche, sans déconner le gros derche. Fous-moi la paix, gros derche. Voilà, gros derche, il est là. Impeccable. J'ai utilisé 2 potions, on est bien. Normalement, la troisième strat se positionne ici. Ah, par contre, faut que je sois en dessous. Déconnez pas. Voilà, 1, 2. Non, déconne pas. Ton fion, voilà, et 3. Oula, 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 oula,
Et c'est en Super Saiyajin que je termine cette deuxième partie du Let's Play Donkey Kong. Gordo Sentoda. Super Saiyajin Donkey Kong, Super Saiyajin Cranky Kong quand même, hein. Voilà, faut viser le fion comme ça. Elle est où l'épée Minecraft? Voilà, c'est tech après, hein. Voilà. Je l'ai savaté à coups de canne, mais de canne Super Saiyan. C'est ça qui est plus important. Voilà, là j'ai fait la strat du speedrun, il n'y a pas de moyen plus rapide de terminer ce boss là en fait. Voilà pourquoi la quasi-totalité des speedrunners de ce jeu, eh bien, vont chercher des potions d'invincibilité, perdre du temps pour chercher des potions d'invincibilité pour tuer ce boss. Parce que sans elles, il est trop difficile de tuer ce boss rapidement, voire même impossible. C'est vraiment un boss qui fait perdre beaucoup, 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 beaucoup de temps. Oula, 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 oula. Voilà, on en termine avec ça, terminé donc le monde 4, c'est au tour de Tech maintenant de présenter. Qu'est-ce que tu as présenté mon petit Tech? Viens ici mon petit, viens ici mon petit. Malade. Viens ici mon petit. Qu'est-ce que tu as présenté mon petit? Dis-moi. Attends, alors, ton exposé, tu l'as préparé? Oui. C'est bien. Alors tu vas nous présenter un exposé sur quoi juste après? Sur les pirates. Les pirates! Sur du FTL version pirate. L'UFTL version pirate, c'est bien mon petit Tech, c'est très très bien, j'espère que les gens ils vont s'amuser. Oh. T'as vu, c'est mon Super Saiyan Donkey, il est trop stylé, hein. Il est trop stylé. Mais oui, voilà. On peut terminer une fois, uniquement là-dessus. Uniquement là-dessus. Force aussi. Voilà. Après une petite courte page de pub, le stream va rebooter puisque tu vas prendre ton PC, c'est ça? Hein, qui est juste ici. Donc il y aura probablement 10 minutes de setup avant que Tech ne puisse prendre l'entête. Donc ne pas cliquez pas si vous voyez la gaming live off. Tout est normal. Quant à moi, je vous retrouve ce soir à 20h sur la chaîne Généraliste pour la première d'une émission Sauvage Apparaît avec l'intégralité de l'équipe des casteurs Pokémon de la Web TV Gaming Live. On reviendra probablement sur la sortie d'Omega Red et d'Alpha Ruby et d'Alpha Saphir, mais aussi eh bien sur l'ouverture du Pokémon Center qui va ouvrir ses portes à Paris dans pas longtemps. Et on fera bien entendu de la strat avec Phil Drong et du Shiny Hunt avec Maître Armand qui seront présents sur l'émission de ce soir. Ne ratez pas une émission sauvage à 20h sur Gaming Live. Des bisous à tous, merci d'avoir suivi la suite de ce Let's Play. Promis, je termine donc Donkey Kong sur le prochain, dans le prochain tour du Let's Play. Et ensuite, dès que l'embarco a sauté, on passe sur Mario Kart à fond. Des bisous et à tout à l'heure.